Eh bien, yo tout le monde, les gens, c'est DracoSab. On se retrouve pour ce troisième épisode du Let's Play sur Pokémon version platine. J'ai fait un peu XP-ma-team, hein, je vous montre. Bon, je vais donner quoi? Je vais donner vraiment. Allez, quelques niveaux, je l'ai mis niveau 8. Et on va continuer la visite, faire l'école des dresseurs. Bon, j'ai visité ça, j'ai pas visité ça. Résidence de Félicité, recherche locataire. Tiens, il y a Belladonis ici. MDR. Oh, ton Pokémon est trop mignon. Tiens, fais-lui tenir cette vive griffe. Ok, donc on obtient une vive griffe ici. Nice. Oh, bonjour mon chou. Elle n'est pas belle ma Pokémontre? C'est le dernier modèle en date. Je l'ai eu dès sa mise en circulation. Après tout, un dresseur serait perdu sans Pokémontre. As-tu déjà acheté une soin ball à la boutique Pokémon? Elle soigne totalement le Pokémon qu'elle capture sur place. Ça signifie que tu peux l'attraper et l'utiliser au combat tout de suite. Bien sûr, s'il y a déjà 6 Pokémon dans ton équipe, ça ne sert à rien. Évidemment, j'aime la façon dont les attaques se servent de leur... dont les Pokémon se servent de leurs attaques. Parfois, en devenant plus fort, ils apprennent de nouvelles capacités. Avec eux, on n'est jamais au bout de nos surprises. Bon, je tourne cet épisode, il est minuit 28 quand même. J'essaye de pas trop parler fort, mais ça va, j'ai un micro assez puissant pour que vous puissiez l'entendre. Ah! Salut camarade, tu as visité l'école de dresseur, la personne qui t'accompagne t'a fait visiter, non? Très bien, très bien, très bien. Plus tu voyages avec un Pokémon, plus il t'apprécie. Tiens, une Pokéball, j'avais jamais fait gaffe ici. Une potion, très bien. Pokémontre SA, mais des montres Pokémon pour le monde. On va visiter ça un peu. Oh, je t'assure que je vais continuer à développer des logiciels Pokémontre. Tout comme les Pokémon, ma Pokémontre connaît des évolutions. Bienvenue à la Pokémontre SA. Nous sommes une petite entreprise familiale. Ne t'attends pas à une multinationale. Et ça t'arrive de regarder la télé? Moi j'adore regarder Inspecteur Pokémontre. Ça me donne envie d'utiliser ma Pokémontre tout le temps. Là, il y a pas mal d'étages, je crois. Non? On s'efforcera de penser comme un dresseur pour mettre au point les logiciels Pokémon les plus utiles. Montre Pokémon ou aussi Pokémontre, une version longue et une version courte. Et que signifie Pokémon déjà? Bref, je suis le père du président de la Pokémontre SA. D'accord. D'accord, d'accord, monsieur. Mon mari est le président. Nous avons démarré dans un petit atelier où il faisait ce qu'il aimait. Désormais, nous créons des objets qui rendent les gens heureux, c'est fou. Exactement. Il y a des trucs ici sur les PC. Ok. Pour l'instant, on n'a rien vu qu'on n'a pas la Pokémontre. Ce qui est logique. Bon, voilà. Pour l'instant, il n'y a que dalle. As-tu une Pokémontre? Il y a deux modèles, fille et garçon. Chacun d'une couleur différente. Plein de gens créent des logiciels Pokémontre. Tu pourras en obtenir de nouveaux de sources surprenantes. Nos PC contiennent des explications sur les différents logiciels Pokémontre. Bon allez, faisons l'école des dresseurs les gens. Ça reste un let's play, l'aspect visite reste très important quand même. Mais nous ce qu'on veut, c'est du fight. Ah oui, évidemment, il y a un truc aussi à ne pas oublier. Là. La route 218 est un bon coin pour la pêche, mais peu de gens le savent. Une canne, c'est vraiment bien. Tu penses la même chose, pas vrai? On est sur la même longueur d'onde. Tiens, prends cette canne. Voilà, vous obtenez la canne ici. Lance ta canne partout où il y a de l'eau, on ne sait jamais. Ah, au fait, as-tu... Non. Quand tu pêches des Pokémon, il faut d'abord que ça morde. Quand tu remontes le Pokémon, tu dois l'affronter. Comme ça, la pêche est bien plus drôle. Alors, on a beau dire non, hein, il nous fournit quand même ses fameuses explications. Je crois que sur Platine, on a... sur Diamant et Perle, on n'a pas d'item ici. De mémoire. Allez, go! C'est parti. J'ai écrit une rédac sur mon cahier sur ce qu'est un vrai dresseur Pokémon. On train des ouais, avec des Pokéballs jusqu'à 6 Pokémon, ça un dresseur, ça en connaît. Hein. Les Pokémon sont capables d'utiliser les objets qu'ils tiennent, mais ils ne savent pas utiliser certains objets conçus par les hommes, tels que la potion ou l'antidote.
Voilà. Il vaut mieux pour les dresseurs et les Pokémon qu'ils progressent à leur propre rythme. Si tu as besoin d'informations sur quoi que ce soit, consulte le livre. Ah ouais? Y'a rien. Salut Sabri, tu viens pour étudier toi aussi? J'ai pris de l'avance et mémorisé tout ce qu'il y a d'écrit au tableau. Après tout, c'est le travail d'un dresseur d'éviter que ses précieux Pokémon ne soient blessés au combat. Alors Sabri, qu'est-ce qui t'amène? Hein? Tu as quelque chose pour moi? Le fameux colis. Alors c'est quoi ce jackpot? C'est une carte. Hein? Mais pourquoi il y en a deux? Une me suffit amplement. Tiens Sabri, prends-en une. Et bien d'après la carte, je pense que Charbourg est la prochaine ville où je dois me rendre. Il y a une arène. Alors ce sera parfait pour endurcir les Pokémon que je viens d'attraper. Je suis en passe de devenir le plus grand dresseur de tous les temps. Salut. Ok, très bien. Aujourd'hui on a tout appris sur les types de Pokémon. Le type plante craint le type feu craint le type eau, et le type eau craint le type plante. Bon allez, combat. Je viens juste de devenir ami avec mon Pokémon. Je ne sais pas si on va bien se débrouiller. Mais si on se battait, je dois tester les choses que j'ai apprises avant de les oublier. Élève Ali. Tiens, avant ils avaient des abras, il me semblait. Hein. Ok. Voilà, donc on est niveau 8. Coup critique. Ah ouais, d'accord. Énervé, hein. Ah, du coup, c'est pas sûr qu'on le tue au prochain. Je pense pas. Hein. Ah ouais, carrément, merde. Ah merde. Ah c'est ballot. Oh coup critique. Oh tu régales. Tu régales tellement Denki. On voit que t'as faim quand même. Encore un? Non. Oh il fait charge, c'est un peu chiant quand même. Je pense que ça va être bon pour le prochain dresseur aussi. De toute façon on va passer niveau 9. Hein. C'est quasiment certain. Voilà. Apprends chargeur, ok. J'aime beaucoup étudier, je croyais que je te vaincrais. Je me demande si on aurait pu mieux s'en sortir face à toi, si j'avais utilisé des potions en temps voulu par exemple. Le combat est la meilleure façon d'apprendre. Tu te bats contre nous? En avant, allez go. Repasser sur des jeux 4G comme ça. Des remakes aux jeux normaux, ça me fait trop des barres. D'accord, attaque plus. J'ai mis le jeu en mode difficile ou comment ça se passe? Ça fait mal, hein. C'est tout? Là, je m'attendais à des bons dégâts quand même. Ok, il m'enlève 3 HP à chaque fois. Bon bah. Ah, que j'aurais dû utiliser mes objets. Waouh, quel talent. On passe notre temps à étudier, mais on n'arrive pas à la cheville. Je pense que tu feras bon usage de cette potion. Attrape. Et ben voilà. Les potions permettent de restaurer les PV, points de vie de tes Pokémon. Être un bon dresseur ne se résume pas à donner des ordres Pokémon. Un dresseur digne de ce nom sait mettre à profit les objets dont il dispose. On va se soigner avant quand même. Et là, il y a un monsieur qui nous attend. Que veut-il? Il est suspicious. Oh oh oh! Tu dis que tu es un dresseur Pokémon et tu n'as pas de Pokémontre? Pokémontre, montre Pokémon. Oh, eh bien, tu es vraiment un drôle d'oiseau. Tu vois, j'ai inventé et je fabrique des Pokémontres. En plus de cela, je conduis désormais la campagne de pub de la Pokémontre. Tout ce que tu as à faire, c'est trouver 3 bouffons d'en féliciter. Si tu y arrives, je t'offrirai une Pokémontre. Donc là, c'est facile, il faut juste répondre aux questions. C'est toujours des oui. Hein. Salut, je suis un bouffon de la campagne Pokémontre. En avant pour la question. Un Pokémon devient-il plus fort en gagnant des combats et des points d'expérience? Oui. Ding ding, c'est absolument correct. Les Pokémon deviennent plus forts en gagnant des combats. Certains Pokémon en arrivent même à changer de forme. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Tiens, voilà ton bon Pokémon. Voilà, le bon, hein.
Let's go. Donc il faut récupérer encore deux bons. Ok, en avant pour la question. Un Pokémon peut-il tenir un objet? Oui. Un Pokémon peut tenir un seul objet. Certains objets sont efficaces dès qu'un Pokémon les tient. Les baies sont mangées par les Pokémon lorsque c'est nécessaire au combat. Le bon 3. Et le dernier est là-bas. Salut, je suis un bouffon. Les capacités ont-elles des types comme les Pokémon? Oui. Voilà, si le type du Pokémon correspond à celui de la capacité, cette dernière est beaucoup plus puissante. C'est ce qu'on appelle le stab. Voilà, moins plus qu'à reparler au monsieur. Et on aura notre Pokémon que vous verrez sur l'écran tactile, en bas à droite. Ok, laisse-moi compter tes bons. Je vais utiliser la Pokémon pour ça. 1, 2 et 3. Bravo, je dirais même mieux bravo. En échange de ces bons, je t'offre cette montre Pokémon, autrement dit Pokémontre. Donc là, vous voyez l'heure à laquelle je tourne. Des logiciels peuvent être ajoutés à la Pokémontre pour la rendre encore plus polyvalente. Touche l'écran de ta Pokémon pour découvrir ce qui te correspond le mieux. Voilà, donc là, vous voyez. Voilà. Ça, c'est le compteur de pas. Hein. Voilà. Et pour le reset, on appuie sur Z. La calculatrice. Hein. 1, moins 1. Ça fait 0. Voilà. Bref. On va continuer un peu. Par là. On va voir ce qu'on peut choper. Antipara, d'accord. Alors. Ah, un dresseur a l'air plutôt faible. Tu veux tenter ta chance contre moi ? Allez. Lixi niveau 7. La question c'est, a-t-il intimidation? Non. Parfait. Du coup, je pète pas mes charges. Ça devrait le faire. Non, j'espère que ça vous plaît. Hein. Petit let's play classique de Pokémon Platine. Hein. Bien évidemment, je rappelle que ça sert également de guide commenté. Hein. Pour ceux qui seraient bloqués à des endroits, ben voilà. Ça sert aussi à ça, les vidéos. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Hein. Je répondrai, évidemment. Niveau 10, on va pouvoir remettre notre Wistikram. Oui, j'aurais dû m'abstenir. C'est vrai qu'on a que deux Pokémon pour l'instant. Mettre allumette. Je vais gagner grâce au Magikarp que mon papa m'a donné. Ah, du coup, il a un Magikarp. Bon. Très bien, très bien. Allez, griffe. On va le trichot, je pense. Ah, l'a pas tué. Oh, le pauvre, il fait trempette. Le pauvre. Mais c'est mon père qui m'avait donné ce Pokémon. Ça te dérangerait de te combattre contre moi? Tiens, on a trouvé aucun Pokémon sauvage dans les hautes herbes. C'est assez impressionnant quand même. Rose bouton. J'aime bien ce Pokémon. J'ai envie d'avoir un Roserade dans ma team. Mais c'est un peu galère au début à entraîner. Hein. Parce que Philali, j'aime bien en vrai. Ah, je me tâte. Oh, je ne suis pas assez forte pour toi. Chemin rocheux. Des rochers bloquent le passage dans la caverne, mais je crois qu'un Pokémon disposant d'une certaine capacité secrète pourrait les briser. Ok.
Je le prends les gars ou pas? J'hésite. Vraiment j'hésite. Ouais, bah j'hésite. Why not? Je vais rester fidèle. Autant je préfère. Oh mais tu l'as tué gros. Bon il l'a tué. Autant quand j'étais gosse je prenais toujours le rose bouton mais je me dis que ouais. On peut essayer peut-être, tant pis pour Philali. Au moins on a un type poison hein. Bon et tourmi déjà. Faut vraiment que je me renseigne voir est-ce qu'on aura un... Est-ce qu'on aura un Ectoraptor ou pas. Mais j'ai envie de le prendre du tourmi. En tout cas ici il y a notre bonheur quand même. Ouais je le prends. Je vais le choper. Allez. Comment je vais l'appeler par contre? C'est ça le truc. Mais j'ai plus assez de bol en fait. Oh j'ai que deux bols. Faut que j'aille en racheter. C'est pas dit qu'il rentre. Hein. Ah bah. Let's go. Comment je l'appelle Étourmi? Ouais. Ah comment il s'appelle le... Oh j'en ai aucune idée, j'ai encore buté sur le prénom. Oh lolo. C'est un piaf ça. J'en ai aucune idée vraiment, je vous le dis. Peut-être une idée. Non, attendez. Ça va pas le faire s'il l'appelle comme ça. Ah merde. Merde. Mais comment je peux l'appeler, les gars? Je suis en train de paumer. Je suis du père. Ectoraptor. Erzor, ça me tente. Erzor. Je trouve que c'est stylé quand même, Erzor. Vas-y, on va rester sur ça. Ah merde. Merde, faut pas faire ça. Ouais, bon, bah je voulais prendre des Pokéballs surtout. Parce que bon, je voulais quand même plus beaucoup de balls quand même.
Je sais pas, est-ce qu'on se prend un type plante? De toute façon, je les ferai XP un peu de mon côté en off. Hein. Là, je vais juste prendre de quoi capturer des Pokémon. Ah ouais, peut-être pas non plus trop. Genre 4. Pour faire un chiffre rond, vu qu'il m'en restait une. Comme ça, on a 5 Pokéballs dans le sac. Ce qui devrait être amplement suffisant. Allez, j'ai rien trouvé de rose bouton, ouais. Je pense que je vais prendre un rose bouton, ouais. Question, c'est pareil, comment je l'appelle le rose bouton? J'ai une idée pour le surnom. Il est Nosferapti ? Quoi, il fait nuit d'un coup là ? Ah, c'est possible en vrai. Hein. En vrai, c'est grave possible. Bah, je suis con, on est. Ça brille, il est minuit 48. Normal. C'est un petit peu logique. Non, mais pas l'Ixi, j'ai déjà. Oh, j'ai limite monté niveau 12 là. Ouais, je trouve plus les rose boutons là. C'est pas très grave au pire. Hein. Je suis passé niveau 12, attends, je vais chercher là-bas. En soi c'est la même zone, hein, mais je vais quand même chercher là-bas. Allez, petit rose bouton. Mais il veut pas, hein. Bah écoutez, c'est pas très grave en vrai. Allez! Comment ça se fait? Petit rose bouton là. Non, bah il veut pas. Bah écoutez, hein. On va à 25 minutes de vidéo et on arrête. Hein. Tant pis pour lui. Il a pas l'air de vouloir se manifester. Il a pas l'air de vouloir. Ok, bon bah écoutez, nous on va s'arrêter là. Je finis le combat. Moi je vous dis d'avance, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Si jamais je trouve un rose bouton, on démarrera l'épisode sur ça, sur sa capture. Je vais quand même entraîner mon tourmi, mon petit Warzor. On a une team sympa quand même. Voilà, donc moi je vous dis, bah là je vais me soigner. Dans le prochain épisode, on continuera l'aventure pour aller vers Charbourg. Donc il y aura sûrement l'arrivée à Charbourg, la visite de Charbourg et la mine de Charbourg. Donc ce sera peut-être un épisode un peu plus long que d'habitude, mais tranquillement. Voilà. Moi je vais aller dormir, je suis un peu claqué, je vais monter l'épisode et je vais dormir. Parce que voilà, là vous voyez l'heure à laquelle je tourne quand même. Waouh. Voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé l'épisode. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao.